2027 si je vous dis Ruffin, Mélenchon ou Roussel? Ruffin. Ruffin, pour le coup. Ouais, plutôt, bah du coup, ouais, comme ça. Ruffin. J'allais dire Rousseau, mais c'était pas dans votre... Ruffin. Personnellement, Ruffin. Je suis plus dans sa ligne politique et j'aime bien le message qu'il envoie à tout le monde. Il est plus rassembleur. Ouais, il n'est pas parfait non plus, mais je pense que c'est... Pour moi, c'est surtout un choix de... Bah, les deux autres, je pense qu'ils ont fait leur temps aussi un peu. C'est celui qui a l'air d'être le plus cohérent. Enfin, moi, j'avais beaucoup été touchée par ses films, notamment Debout les femmes. Et ça prouve qu'il doit avoir une certaine sensibilité à ça, tout du moins dans son discours politique. Pour les films qu'il a pu tourner aux côtés des travailleurs et sa défense aussi des travailleurs, mais il va falloir vraiment s'améliorer sur les questions de genre et d'antiracisme. Pour l'image qu'il incarne, il est très populaire, c'est quand même une chance pour la gauche de gagner, et il serait temps, et ouais non, je pense que c'est une bonne candidature. Plutôt Mélenchon, moi, pour moi, je pense. Ouais, j'ai plutôt tendance à être un peu plus Mélenchon. Personnellement, je le connais mieux, puisque bah, ça fait plus longtemps qu'il est là, et j'ai un peu suivi ce qu'il a fait pour les dernières élections et tout ça. Roussel, sans hésitation. Je ne pense pas que Roussel soit fermé à qui que ce soit. Je pense qu'il y a de la place pour une force de gauche importante menée par Fabien Roussel. C'est quelqu'un de très simple, accessible, et puis ses idées sont les miennes. Tolérance, l'augmentation du SMIC, la valeur travail, très important. Le manger français, très important. Ah, aucun des trois. Alors, Roussel, non, parce qu'il n'a pas les épaules. Ruffin, non. Ruffin, pas possible. Parce que trop grande gueule, trop en fait. Et Mélenchon, pareil, non? On veut du sang frais. Mélenchon, ça fait 20 ans qu'il se présente, 20 ans qu'il perd, c'est bon. Si on veut gagner, il faut une nouvelle tête. Il y a quelqu'un qui le pousse actuellement. Mathilde Panot.